vacances, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternel. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire. Je tourne le disque. Je vais, je viens. J'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. J'ai vu l'amour et le rire. Je vais comme si y'a plus rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre. Laissez-moi danser. Comme la nature, faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs. Jasmin, jasmin, lila, lila. C'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qui coûtaient. Le parfum, imagine le parfum. L'Éden, le jardin, c'était pour demain. Mais demain c'est pareil, le même désir veille là tout au fond du cœur. Changer en douceur, changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs. Tu verras qu'il y aura des foulards, des chemises, et que voici les couleurs vives. Et que même si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Pour les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras, tu verras, tu verras le pouvoir des fleurs. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs.
changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour le vent, grâce à des fleurs des champs. On peut changer le monde avec une fleur, avec un sourire, avec un regard, et on peut commencer avec les plus proches personnes dans son propre quartier. J'aime bien quand vous êtes par terre comme ça. J'allais vous suivre, vous vous relevez. Merci. C'est le printemps avant l'heure ce soir avec la folie, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Bonsoir. Accompagné à la guitare par Edouard et par monsieur Jean Michael. Merci beaucoup. Vous savez qu'on est toujours ravis de vous avoir. Oh ben, écoutez, faire une telle entrée, merci beaucoup, Nikos. D'abord, j'étais ravie de chanter avec Grégory, et puis aussi, c'est une chanson, on ne peut plus d'actualité, parce qu'on recherche, nous aussi, l'amour, la paix, la joie, tout ça. Et je crois que ces jeunes personnes qui sont là, aussi, avaient envie de chanter dans les pétales de rose. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, on vous retrouve tout à l'heure. Plein d'autres surprises. Plein d'autres surprises, j'ai des pétales sur la tête. Alors. Bon. Isabelle. Je suis très contente d'avoir entendu Grégory dans cette chanson, très fleurie. Et il a su se servir des différentes couleurs de sa voix pour pouvoir exprimer de différentes choses. Et ça, je le félicite parce que c'était très, très bien interprété. Il était juste. Oui. Très bien. Grégory va se préparer en coulisses parce qu'il y a une chorégraphie qui se prépare depuis plus de deux semaines, mesdames, messieurs. La nouvelle chanson culte est la chanson phare de la Starac. Si je vous dis en chantant, eh bien cet extrait de leur album hommage à notre parrain Michel Sardou. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Ah, tout de suite, nous sommes en direct dans un instant. Beyoncé vient chanter à la Starac. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. C'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer, un matin elle m'est quitté en chantant. C'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps
en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chantant. L'album de la Star Academy dédié à Michel Sardou est sorti hier. Bravo les enfants. Bravo mesdames et messieurs les professeurs. Bon, qui est numéro 1 au top 5 cette semaine? Lucie, Grégory? Grégory quitte la première place du top, une position décidément difficile à conserver. Il est second cette semaine. Tous vos projecteurs et baissez vos fusils braqués. C'était intense. Ah ouais, c'était ouais, très non, vraiment, mais tout, dans tout quoi. Grégory, c'est à cause de l'OM? C'est le chat noir, il vous a mis le chat noir là, Sofiane. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est clair que Sofiane m'a porté la poisse, mais je ne regrette pas quand même d'être allé avec lui. Mais voilà, bah, c'est bien. Qu'est-ce que vous allez faire pour remonter? Toujours pareil. Travailler. On va bosser, ouais. Travailler. Ouais. À vous cinq, je vous souhaite le meilleur. Gérard, le Normand qui symbolise ben, ce bonheur d'être ensemble tout simplement et en direct toute la semaine en 2004, c'est toujours d'actualité. Mais passons un peu plus rock'n'roll. Je viens te chanter la balade des gens. Musique, s'il vous plaît. Mathieu Connet, ok. La vie est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je veux te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tout quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Ils sont morts et tu le regardes. C'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade des gens heureux. Toi, la star du haut de ta vague. De la rigolade, ou le flambeur, ou gentil petit vieux. Ou bien de chanter la balade des gens heureux. Ou bien de chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un radeau qui fait ce qu'il veut. Ou bien de chanter Génération, je prenais place, le temps pour moi. Allez vous installer, oui, ben c'est bon, on va pas non plus faire les retrouvailles. Elisa. Convaincu, mesdames, messieurs. 3280, c'est le numéro de téléphone. Si vous voulez que Mathieu reste tapé. Si vous voulez que Francesca reste tapé. Et si vous voulez que John reste dans l'aventure tapé. Dans une chanson difficile, vous prouvez qu'elle était à la hauteur de chanter All by Myself en direct. Sans
Mathieu. Mathieu. A retenir toute votre attention ce soir, c'est Mathieu qui repart au château avec 45% des voix, suivies de John 38% et 17% bas du tableau pour la petite Francesca. Mathieu, le grand Mathieu qui repart. Mathieu et Mathieu. Un point pour Francesca. Grégory, qui avez-vous décidé de sauver ce soir? Je suis désolé Francesca, je vote John ce soir. Égalité. Et c'est Francesca qui, à une voix près, une voix très serrée. C'est aussi ça la Star Academy, John sauvé grâce à Oda. Et Francesca, mesdames, messieurs, qui ne repart pas. Francesca, courageuse jusqu'au bout, battante jusqu'au bout. John, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête avant Oda? Vous vous êtes dit c'est la fin pour moi, ou vous le saviez, ou vous en avez parlé avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Vide total. Dans ma tête, vide total.